Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Souffle dans ta cartouche. On se retrouve aujourd'hui pour continuer exceptionnellement Outer Worlds en vidéo. Effectivement, en fait, si jamais vous suivez un peu la série, j'ai fait un live mercredi dernier. Et il se trouve qu'en fait, ça faisait déjà 3 lives avec les 2 lives de mon frère sur la chaîne, donc j'ai décidé d'enregistrer plutôt que de continuer à faire en live. En tout cas, pour cette fois, hein, parce que là on est le même jour que on est mercredi, là où j'enregistre, donc je voulais pas rajouter un live, en plus il n'y aurait eu personne parce que au Québec là il est que 6h, donc en France il est minuit, puis je sais qu'il y a plus de gens qui regardent en Europe, donc voilà, j'ai décidé de l'enregistrer. Voilà, ça change pas grand chose. Je vais continuer où je m'en étais arrêté. Donc tout à l'heure j'avais réussi à trouver le Coelacanth, à rejoindre le Coelacanth sur Sablière Rouge. Donc je vais retourner encore sur Sablière Rouge. Je pense que je vais aussi essayer de retourner sur l'intrus. Voilà quoi, on essaie d'avancer au fur et à mesure. Et puis j'espère enfin découvrir le mystère de ce jeu, quoi. Ça fait un moment que ça dure, donc voilà, mais pour l'instant c'est toujours très agréable, donc on continue. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo si jamais ça vous a plu, si ça vous a déplu, si vous comprenez pas mes choix. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos de mon frère sur God of War. C'est parti, on continue Outer Wilds. Je regarde un peu. Bon, je sais pas. En fait, c'est que je vois le geyser là, puis je me dis bon, peut-être on pourrait. J'en sais rien. Tester un truc. Oula, fait mal. C'est quoi ça là? Si je fais ça. Ok. Je vais essayer. Chose à voir. Non. Ah si, attends, il y a un truc là. Oh là là. Délire. Oh non! Putain. Faut y arriver. Eh, ça m'emmène loin. Ah ok, je suis là. Je suis pas convaincu du bien fondé de tout ça. Nous allons voir.
Ça change un peu. Un examen plus poussé a révélé que le site minier 2A mettrait en danger les formes de vie autochtones qui occupent certains des bassins de cette caverne. Nous devrons donc malheureusement opter pour un des autres sites. Donc c'est toujours... C'est qui a parlé en premier ? Coléus, toujours. Mais d'un côté différent, de nouvelles formes de vie. Cette espèce est semi-aquatique et très résistante. L'écosystème ici est plutôt robuste et je pense qu'il se développera sur le long terme. Soyez prudent près des bassins si vous allez voir au site 2A. Elle me rappelle une espèce souterraine dont Melor Rae, mon mentor, m'a déjà parlé, quand notre clan voyageait encore de part et d'autre de l'univers. J'imagine qu'elle aurait grandement apprécié ses formes de vie. J'ai observé ces créatures une fois pendant mon repos et les heures m'ont échappé. Elles sont fascinantes. Je demande ce que fait leur quatrième œil. Ils parlent de nous, là. Certains autres sites dans les cavernes ont l'air prometteurs. Que diriez-vous du site 2B, qui partage les mêmes types de formations et de strates? Cela semble prometteur. Allez-vous étudier le site 2B avec ton mentor? S'il se montre sans danger pour les espèces autochtones, nous nous installerons là-bas. Le site 2B est sans danger. Coléus dit que nous continuerons de cette activité et ses effets sur la faune locale. On doit ça doit être nos ancêtres. Je vais pas par ouais, je vais venir par ici. Ok, mettons, on va aller par là. Putain, j'ai jamais pensé à... truc. D'être long. On bien en rond là quand même. Ah, je suis déjà passé par là, effectivement. Ok, bah je vais tenter de ressortir. Il fonctionne cela ou pas? Yes. Je vais ouvrir un peu cette clairière. Ici. Mais à quoi tu sers, mon vieux? Ok, bon. Ça a permis un peu de respirer des autres planètes.
explore. Hein. Pas l'air d'avoir grand chose à voir. En vrai. Ah, ça fume. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours ça là. Ok. Y a rien de neuf.
Bon, j'y vais, mais je sais pertinemment que le soleil va péter. J'ai envie d'essayer d'aller à la station solaire. Juste quand le soleil est encore pas trop. Juste pour voir. J'ai jamais essayé, je vais essayer. Visiblement, ça ne fonctionne pas.
Bon. Je pense que je vais aller sur l'intrus. Mais là, c'est la matière fantôme qui commence un peu à me casser les bonbons. Ça me bloque. Bon, à voir. J'ai l'impression d'avoir tout exploré dans la cité obscure, mais ça a l'air que non. Thank you.
suis dans des impasses. C'est chiant. Là, ça me... Tu sais, j'en veux pas au jeu, là, mais je m'en veux à moi-même, quoi. J'arrive pas à débloquer la situation. Peut-être qu'il faut que j'aille sur son bronze, finalement. Je sais pas. Je vais juste aller revoir ce qu'il disait sur la matière fantôme. Il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Je comprends que c'est néfaste là, mais. C'est que ça me bloque à deux endroits là. Ça m'agace un peu. En fait là j'ai tellement de trucs. En fait là ça commence à devenir beaucoup quoi. Donc alors. Une poche de matière fantôme, une étrange substance d'un froid extrême qu'on ne peut voir à l'œil nu. Ouais, non, y a rien de... Y a rien de particulier. En vrai là je sais plus quoi faire parce que y a des endroits j'arrête pas d'y retourner, là j'ai envie un peu de changer de bail mais. Ah c'est un peu frustrant là, ça me frustre un peu. J'arrive pas à débloquer la situation. Là je vois bien que je suis sur une phase de plateau. En fait, juste le côté de boucle temporelle t'ajoute un petit stress en fait. Et du coup, tu te dis, bon, si j'y vais pas direct, mais du coup, t'as pas le temps de prendre le temps de lire. Enfin, c'est chiant. Donc, je vais prendre le temps quand même. Je vais remettre un peu mes idées en place. Alors, station solaire, bon. Depuis la sablière noire. Peut-être aller explorer Sablière Noire. Là, j'avoue que je tâtonne. C'est du tâtonnement total. Il y a aucun sens dans ce que je fais. Bon, ce qu'il faut quand on sait pas, c'est qu'il faut reprendre tout par étape. Donc, on va Sablière Noire. Bah pour le moment, je pense que ça sert à rien, donc on va aller sur Sablière Rouge. Essayer encore de
Explorer la cité obscure. Je pense que j'en ai pas fini aussi avec le lac asséché, je sais pas quoi là. Mais j'ai l'impression de pas le trouver ce fucking lac là. Ouais, je laisse couler l'intrus là, c'est bon. Ça m'a un peu gonflé l'intrus aussi. Pôle Nord, pôle Nord. Est-ce que... Il y a un lac asséché, je sais pas quoi. Est-ce que c'est ça? Et au fond, là, il y aurait un... Vas-y, je me quitte. J'ai pas le temps là de. Allez, 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 allez. Allez. Come on. Onduloscope. Y'a que dalle, putain. Ah putain, et monter des escaliers, c'est aussi chiant que ça là? Oh putain, mais le jeu, s'il te plaît. Quand même. Outer Wilds quoi. Pourquoi c'est flou là comme ça là? Putain, je vois que dalle. C'est un truc de fou. Bon, en fait, c'est que là, ouais, ça commence un peu à me frustrer. Je vais pas vous mentir, je suis un peu dans la frustration du jeu là. J'arrive pas à me sortir de ce truc quoi. Les blocs quantiques, je comprends pas. Ok, oui, c'est oui. Des pierres qui se déplacent. Très bien. Très bien, très bien. Mais voilà quoi. Donc, on va parler de la pierre. Donc là, elle apparaît.
vrai, je sais plus quoi faire. Là, je suis un peu saoulé. Sortir tout ça. Je n'y arrive pas. Donc là, bah, y a le dude qui est encore ici. Ok. Putain, je me fais mal. Bon, je vais me casser. Va falloir que je me sorte de ce truc parce que tu sais le jeu il peut me tomber de la manette quand même là. Tout le monde a beau dire c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué. Le fait là de pas réussir à trouver de solution, c'est ça peut vite me faire complètement sortir du jeu. Et me dire bah écoute hein, tant pis hein. Donc il y a ça aussi. Apparemment tu peux aller sur la station normalement avec ça, ou sinon je vais sur son bronze. En vrai là je sais pas quoi faire. C'est assez frustrant. Putain, j'ai plus de carbu. Quel débile.
Très agréable ce son. Ralenti, c'est peut-être un coélacanthe. Putain, c'est carte. C'est une blague. Je vais pas y arriver. Notre capsule de sauvetage s'est écrasée alors que nous tentions de fuir cet endroit, détruisant tous nos moyens de déplacement et de communication par la même occasion. Nous avons tenu aussi longtemps que nous le pouvions, mais les réserves d'air respirables de ces capsules et les attaques de l'un se font de plus en plus fréquentes. Notre meilleure chance de survivre sera de retourner au vaisseau pour réparer les dégâts ou le plus probable d'attendre les secours. CK, tu en as fini avec le message, la balise du vaisseau est déjà en train de s'affaiblir. Il n'y aura plus rien ici d'ici quelques heures. Nous devons partir d'ici et vite. Oh là là, il y a plein de trucs à lire. Oh, je vais mourir. Oh bah, excellent. Bon, je vais explorer cette piste là, alors. Je vais retourner sur son bronze.
Alors. Bon, on a découvert des choses sur son bronze, mais pour l'instant, ça, j'ai pas de déclic. Regardez le journal. Système solaire. Ok. Donc c'était ça. Je vais rester sur Atrebois.
Donc, fait qu'on a. Il y a un truc au milieu de sablière noire. Mais à mon avis, ça ne doit pas être encore accessible.
quoi il fallait bien explorer la planète de départ. Relire le journal. Exploiter ce site pour en extraire du minerai destiné à fabriquer une enveloppe protectrice conçue pour sceller physiquement la salle centrale de la sablière noire. Ok. Une fois l'enveloppe terminée, les Nomai s'assurèrent qu'il n'y avait plus aucun passage ni fissure. Les Nomai découvrirent une forme. Oh shit. Les Nomai découvrirent une forme de vie semi-aquatique et dotée de quatre yeux dans les cours d'eau à proximité de la mine. Donc là, c'est la source de vie, j'ai l'impression. Pour aller voir la cité suspendue, ouais. Je vais peut-être aller faire ça.
Bon. Et j'ai enfin pu un peu débloquer la situation. Donc là, le fait d'avoir découvert la cité suspendue me permet quand même d'avoir plus d'informations. Donc tout me ramène un peu à la sablière noire. Cité suspendue, ok. Donc ça a un lien avec le vaisseau, évidemment. Donc ça, je pense qu'il y aura d'autres trucs à faire. Ça, c'est lié à quoi? Oh, ils sont aveugles. Forge du trou noir est suspendue sous la cité. J'ai trouvé dans le secteur de l'eau de fonte un interrupteur qui commande l'accès à la forge du trou noir. Le secteur de la forge du trou noir domine la cité suspendue. Il faudrait peut-être que j'aille dans la forge du trou noir en fait. Un homme du nom de Pock envisagea de concevoir un nouveau générateur de distorsion avancé dans la forge du trou noir. Les Nomaï façonnaient des générateurs de. Ok. À tout ça, hein. La station solaire aussi. Donc cité suspendue, il y a encore des trucs à explorer. Cité obscure aussi. Et ça c'est quoi? Lance-sonde, ouais. Il y a encore des trucs à voir là. Ça, je comprends pas. Ça va être à élucider. Cité obscure. Donc la prochaine fois, il faudra que je retourne à la cité suspendue. Voilà quoi. Bon bah les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je pense que je vais la publier très rapidement. Et il se peut que un live s'en suive très rapidement aussi, si j'ai le temps. Sinon, si j'ai pas le temps cette semaine, ben, le live ce sera soit la semaine prochaine, soit pas ce week-end, mais celui d'après. Voilà, on se dit à très bientôt sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, et puis à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. À laisser un petit pouce bleu aussi. À très bientôt, ciao!